Yo Minasan, c'est Gunshow et aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4 et ouais, je suis de retour sur ce petit jeu. Donc voilà, donc la dernière fois on s'avait laissé sur le quai, mais par réflexion je suis parti sur le vieux continent pour changer quelques trucs. Donc voilà, donc vous voyez, comme vous voyez, je suis pas avec mon armure assistée. Je trouve que ça me coûte un bras si je la, à chaque fois je la retournais et la réparais, surtout en scotch et en aluminium. Donc cette fois-ci, ben, je suis à poil. Ouais, à poil, vous avez bien entendu, à poil. J'ai pas mon armure. Donc voilà. Et aussi, j'ai échangé de compagnon. Je me suis pris mon petit robot code Schwarz, ou ouais, je crois que c'est un peu comme ça, ouais. Donc voilà, donc normalement avec lui, ça ira un peu mieux. Parce que Toto, il est bien gentil, mais voilà quoi. Protégez vos proches avec mes pistolets de qualité. Ok, c'est dit quoi en fait ici? Je vais faire quoi? Ah, ça c'est pour tourner là-bas, ok. Retirer le marqueur. Voilà. Mais je crois que je vais aller à la Formidaton. Donc c'est tout de suite. Non, ça c'est ce point. Donc c'est tout de suite là-bas. Ok, alors. Bon, par contre, je vais prendre les rats à plein la gueule. Mais c'est pas grave. Je vais m'en sortir. On va allumer ça parce que là, franchement, je suis pas que dalle. Alors, enfin, j'ai pas visité ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Regardons pour voir ce qu'est-ce qu'il pourrait y avoir intéressant. Ça sera à l'étage. Il y a toujours un truc à l'étage. Voilà. Enfin, des trucs. Pas grand-chose. Hein. Cartouche. Un petit coffre que je vais bien évidemment ouvrir un seul coup. Voilà. Ça y est. On récupère tout ça. Mine cryogénique. Ouais. Bon, je vais tout laisser là en fait. Parce que j'ai ramassé toutes les armes, après j'en peux plus, j'ai trop d'armes et... Et comment dire, je suis quand même pété de thunes. Peut-être le monta, ouais. Hein. Donc les armes, je prends... Je crois que je vais prendre que les armes légendaires, je pense. Donc si je regarde la map, faut que je... Ok, d'accord. Il faut que j'aille tout droit. Hein. Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais découvrir, enfin récolter d'autres ici. Aïe. Ok. Juste vérifier quelle heure il est. Ok. Ok, ça va. Ça va, ça va. Alors, on va passer par là. Alors, on voit qu'il met 10 ans à venir, sérieux. Et aussi en termes d'armes, celle-là je l'ai améliorée, à chèque. Alconie, ok. Je suis pas vraiment dans ces eaux-là. Je ne suis pas vraiment là-bas. Alors. Y a-t-il quelqu'un d'amico? Enfin d'amical plutôt. Je ne crains que. Il va y avoir que des enculés. Je peux pas passer par là. Je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Sans bras. Ah ouais. Restaurant. Ouais, mais non, on se tire pas ta 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 ta, là c'est tout. Non, enfin un peu plus mal aussi, il a fait 100 et quelques de bas enfin alors là ouais 100 ans, ouais je trouve qu'elle est puissante, je vais vous la montrer comme ça vraiment sur vite fait.
Donc voilà, oh, putain, j'ai pas changé le nom. Elle fait 166 dégâts quand même, ça va. 14 tirs, ouais, elle est pas mal. Franchement, j'aime bien. Et en plus, je crois que c'est une arme nocturne. En gros, je ferais de gros dégâts pendant la nuit. Ça c'est vraiment fun, ça. Des dégâts accrus pendant la nuit. What? What the fuck, guys? Il a un coup, lui. C'est un chewing-gum. C'est une blague. C'est un chewing-gum, le mec. Un chewing-gum. Tiens, pour la peine, je prends un scan. Le mec, il prend un screen comme ça. Ok, il faut aller tout droit à partir d'ici. Dans la rade comme ça. Ouh, des nuages de rade. J'ai cru entendre. Ok. What? You? Je détecte des formes de vie hostile. C'est quoi ce bug texture là sur le bâtiment là? Ok. Putain, c'est légendaire. Putain, c'est quoi ce bug texture là? Ouais. C'est quoi ce bug texture? Ta gueule! C'est quoi ce bug texture de what the fuck? Ce bug, comment dire, voilà quoi, il est fantastique, ouais. C'est un joli bug. Ou pas. Allez hop, on a tout ça. C'est bon. Merde. Et c'est quoi que j'ai ramassé là? Mais qui ramasse de la merde, Clayaste. Je n'aurais jamais cru qu'une épingle à cheveux pouvait servir à ça. Ouais, c'est bon, c'est plus un bug ça. Ah si. Ok, c'est un bug à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on continue le petit chemin. Coucou, chez moi. Y a-t-il des créatures commodes? Pas commode, après je m'en fous un petit peu, je les vaporise. J'aime pas ça là-bas. C'est quoi ça? What? Ok. On dirait un murloc. Sérieux, on dirait un murloc, franchement. Enfin, du moins la gueule. C'est pas un murloc. Peut-être prendre de quoi me soigner là. Comme ça, ça va réduire mon inventaire de bouffe. Alors. Oh merde, yes. Pas grave. C'est pas grave, overdrive, non. Oh, je sais pas, Cosarico.
ça m'a l'air tentant. Allez, on mange une. Non. Allez, on mange les omelettes. Voilà. Voilà. On s'est remis un peu de santé. Bonjour. Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi ça? Non, il me fait pas peur. Ah, ok. Ah, tu parles ça? Ok, d'accord. Grip. D'accord. Ouais. Dans le drag. Ah, top, sérieux. Sérieux. On va rembourser, c'est de la merde. Bonjour. A voir. Pas grand chose. Toc 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 toc. Y a-t-il des bestioles gentilles dans le coin? Ça m'a guère l'air le cas. On va toute réponse. Bouge! Ouais, on va tuer la bestiole qui a. Qu'on dirait tuer l'oncle. Un chouette, hein, l'oncle c'est lui. Désolé. Hein. Ok. Ça dit pas le nom. Oh. Heureusement que je cours vite, bah. Putain. Le mec il fonce dans le tas comme ça, en mode what? Ouais, c'est moi, et je vous emmerde. ouais, bref. Je suis pas très loin. Ça va. Juste pour le fun, on va faire une sauvegarde. C'est toujours bien de faire une sauvegarde. Ok, ça chauffe. En tout cas, là, il y avait une maison. Ferme des Dalton, ok. Ok, enchanté. Y a-t-il quelque chose d'intéressant dans ce bourbier? Je ne pense pas. Une moisissure? Non, y a personne. Une canne à pêche. Ouais. Ça me va être pas très utile. Alors, la bestiole. Quoi? C'est ça? En fait, rien de tel pour se dérouiller les servomoteurs, pas vrai? Sérieux, c'était ça la bestiole? La bestiole, je pensais qu'elle allait un peu plus durer, quoi. Pourquoi un réveil? What? Un réveil sur une bestiole? Non, mais sérieux? Ok. Ok, donc le truc qui va dissiper, je peux pas récupérer la durée. Ok, d'accord. Ouais, c'est normal. Je pense. Pour ça, il faudra que je m'occupe de ces enfants d'atomes. Je pense que je vais faire ça maintenant. Donc, Marie Sandrin. Obtenir. Ok, vous m'y oubliez. Ok. Je vais juste sélectionner ça alors. C'est quoi ça? Chercher. Ok. Ok, pour ça, il faut que j'y aille tout en bas. Ok, d'accord. C'est quoi alors là-bas? Ouais, on va tout droit et on verra bien. On va tout droit, allez, go 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 go. Ouais. Le maïs. Le mec il se retourne juste pour un épi de maïs, sérieux. Je sens qu'il y a un truc. Il y a une chose là. Le mec.
Il y a une chaise. Ou pas. Joli. Merci. En fait, il y avait que dalle. C'était peut-être verrouillé pour une bonne raison. Non. Tu crois? franchement, ça veut. Ok. Tout droit, allons-y. Je vois que dalle, mais c'est pas grave. Je fonce dans le tas. C'est quoi ça? What? Des lapins. Lapins? Oh, des lapins. Il y avait des lapinous. Tu m'attaques, t'es mort. Ok, tu m'attaques. Putain, mais c'est quoi ce truc qui court vite? Ok, un petit coup. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Sérieux? Ah, le mec comme ça en mode. Coucou, c'est moi et j'ai une bête et je t'emmerde. Quand on s'est déjà su? Ton cœur bat fort! Tu vas supporter ça longtemps! Je ne crains que. Programmé pour les tâches ménagères, mais tout ça est bien plus intéressant. c'est ouf quand même, n'empêche. Hein. C'est vrai qu'à la base, ouais, il était programmé pour les tâches ménagères. Bon, on va dire que c'en est une tâche ménagère, entre guillemets. Entre guillemets, bien sûr. c'est vraiment une tâche ménagère, mais on va dire au sens que voilà quoi. Tâche ménagère, nettoyage intensif des agents nuisibles. Donc voilà, bon bref. Allez, passe. Ah, laisse-moi passer. Ok. Cool. Et que ça. Non mais oh. Y a-t-il une autre ghoul dans le coin? Ouais, là. Où est mon robot, au fait? Lui, il a tout le temps là pour la bataille, c'est ouf. Hein. Ok. Ah, c'est une légendaire. À quel tour? Personne? C'est bon. Hop, allez, photo. On peut prendre des snaps avec. Ouais. Que ça mène quelque part ça.
On va passer par là. Alors, je me rappelle bien, mon truc elle peut pas casser, donc je suis invincible. Je peux faire tout ce que je veux, voilà, tac tac tac. C'est par là. C'est par là, ouais. C'est par là, ici, là. Allez! Voilà, c'est bien. Ouais. Ouais! Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le petit endroit? Ta 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 ta. Ouais. J'avais envie d'en découdre. On va dire que là t'as lancé la guerre là. Il n'en aura plus besoin, c'est certain. Nous allons assurer le spectacle. Une spatule. Apparemment c'est ça. Outil truc. En tout cas, ça fourmille en haut. Ah putain, mais elle est où? Cure soupe. On dit ça. Y a-t-il d'autres zombies? Mort. Toi t'es mort. Ah putain. Voilà, toi tu meurs. Ouais. Ah, j'ai été perception, mais je crois que j'ai déjà un truc, c'est la force dessus, je crois. On va check ça vite fait. Mais je crois que normalement j'ai déjà mieux. C'est quoi c'est? Tac tac tac. Russe brun, mort combat. Droite, droite, droite. Ouais, j'ai force endurance. Non, ça, non, c'est pas ça. J'ai quoi déjà? Fais c'est pas ça, correct, les angles, les cheveux, crocheter, ok. Mouais. On va dire ça c'est plus efficace, même si ça me positionne quand je tire la serrure, de toute façon je peux la trouver comme je veux. Donc ça j'en ai plus vraiment besoin, donc ça c'est mieux. Donc voilà, ça c'est bien, voilà. Il faudra juste que je l'améliore à la base. Ok, ça c'est mort. En fait, y'a pas grand chose ici. What? T'es pas devant moi comme ça là. Vas-y, bouge-toi. Ah, du scotch. Le scotch, voilà. Oh, tu veux trouver un ticket, on s'en fout. Ok. Bah, on va sortir de cet endroit. Hein. Oh, mais que. T'as un TP toi, bordel. Ah putain, pour que j'ai pris la clé molette, sérieux. C'est ça. Tire dit en débladage, auto. Hein, auto sang. Cuir, cuir. Cuir, 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 cuir. Ça c'est fait.
On sort de là. Voilà. Ça, c'est fait pour le truc électronique de madame. Donc là, comme ça, elle me saoulera pas avec ça, là. Qu'est-ce que je peux faire directement, là? Je suis sorti. Par la porte où je devais rentrer, bien sûr. Il y a un mec, là. Je sais pas qui c'est. S'il m'attaque, il est mort. Donner, ça c'est bon. Donc ça, il faudra que je retourne là-bas. Qui c'est, lui? Hé hey, attendez! Ça fait des semaines que je surveille ces goules. Que j'attends une ouverture. Et vous, vous débarquez, vous foncez dans le tas, et vous les massacrez toutes. Est-ce que ouais. Vous savez ce que vous avez récupéré? Un coffret d'outils Pelmen. Je me rappelle des pubs pour les outils Pelmen. Ils étaient pas donnés, mais c'était du très haut de gamme. C'est quoi une pub? Bref, on s'en fiche. C'est la marinière qui vous envoie, n'est-ce pas? Maudit soit Mitch, lui et sa grande gueule. Je sais pas combien elle vous propose, mais c'est une broutille. N'importe quel bâtisseur compétent donnerait un bras pour ses outils. Je vous offre 2000 capsules, là, maintenant, tout de suite. Marché conclu? Pourquoi vous voulez tellement ces outils? J'ai mes propres projets en tête. Et vu le prix que je paie, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Non. Non, merci. Je ne vais pas rester là éternellement. Si vous refusez, vous allez le regretter. Pas envie. J'ai pas vraiment envie. C'est quoi, dire? Cherche chez toi. J'ai pas envie de lui vendre. Même si c'est 2000 capsules, j'ai déjà pris la quête là-bas. Hein. En fait, c'est tout droit, non? Ok, l'autre il est là, ok. Bon, mais on va tout droit, hein, hein. On va tout droit! Ouais, bouffez-le le mec là. Comme ça, il me fera pas chier. Ouais, c'est lui qui a tué, sérieux. Bon, ben. Hein. Comment dire? On va faire Tayo! Quoi? Ah! Je vais échanger quelques trucs avec mon cher robot. Hey! Monsieur, voilà ce que j'ai. Tire là-bas, non? Je détecte des niveaux de radioactivité élevés. Tu vas me le prendre. Ah, c'est réglé. Ok, mission, on passe par là.
putain, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, moi. Yowai, version fluorescente. Si je récupère ce point, je prends des TP ici. Il va y avoir un truc ici. Le cinéma. Y a-t-il encore des ghouls dans le coin? Parce que là, y en avait des ghouls, hein. Oh putain. Putain, y'a du son là, je vais pas trop y aller. Du moins pour l'instant. Quoi une ghoul? Encore? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce machin? non, enfin, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Foutu la trouille, celui-là. Qu'est-ce que c'était que ça? What? Oui, tiré. Sur quoi tu tires? Ah, il y en avait un autre ici, ok, d'accord. Maintenant pour moi. C'est pas bon, ça pue vraiment à la rade là. Enfin, ça pue la rate sur toute l'île, mais bon. Parce que moi, sous l'eau, j'ai pas de radiation, donc ça va, ça le fait. Le mec, il nage comme ça en aveuglette totale. Je m'approche c'est vers là. Heureusement qu'il n'y a pas de créatures sous-marines qui vont bouffer le pied comme ça. Apparemment celle-là. Voilà, nous sommes chez les illuminés. Pitié, Richter. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons toujours été familiarité entre nous. Je suis le grand dévot. Et votre dévouement est remis en cause. Vous devez prouver votre foi. L'un d'entre vous pourra retrouver sa place dans la famille. Quant à l'autre, il retournera auprès d'Atome. Richter, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas nous demander de... De toute façon, moi, le but était de les tuer. Eh mais tire-toi. mec, c'est... De toute façon, mon but était déjà de les tuer personnellement, donc ne m'en voyez pas vraiment, voilà, désolé. Je suis pas désolé, je fais ce que je veux. Donc sur ce... Crevez, bande d'éliminés. Retourner poussière.
combinaison de plongée sous-marine. Ah, sympathique cette armure. En fait, c'est quoi le truc que j'ai comme tenue? Casque marine de reconnaissance. Je pense qu'il y aura un set comme ça avec. Et ça, je vais prendre parce que j'ai déjà plein de. Et allons au noyau. Je vais en découdre avec ces fous. Ces fous de la tome. Je leur veux bien ça parce que franchement dans des épisodes ils m'ont tué. Enfin dans un épisode je me rappelle plus lequel c'est. Ils m'ont atomisé la gueule. De moi dans la capitale. Donc on va dire c'est la vengeance. Mais la vengeance salée. Avec les taxes. Taxes sur les années. Ouais, charge. J'ai envie de découdre avec mes nouveaux amis. Hey, voilà, nous sommes arrivés enfin après un long chargement. J'ai dû couper court en dire à l'épisode vu que ça mettait une éternité et mon jeu avait bugué. Ok, donc voilà, donc là je me suis retrouvé à l'intérieur, donc j'ai fait le sens depuis la sauvegarde que j'avais. Donc voilà, donc j'ai essayé de refaire tout ce que j'ai fait. Donc voilà, donc j'ai à peu près côté de 80% réussi. J'imagine des choses. Je dois prier plus fort pour faire pénitence. Donc voilà, donc je vais faire court. Je vais m'arrêter là. Donc on se retrouve dans 2 jours pour continuer l'aventure sur Fallout 4. C'était Gacho. Bye bye.